pour votre premier rendez-vous pour l'entretien d'embauche, l'employeur, ce qu'il va regarder, c'est votre tenue vestimentaire. Et oui, ceci, c'est aussi le langage corporel que vous dégagez. Une bonne présentation, c'est déjà un point de gagné. Serrer la main pour un premier rendez-vous, c'est très important. Votre main doit être dynamique et ferme. C'est rassurant pour le futur employeur. Sachez aussi que s'il ne développe pas son bras, c'est tout à fait normal. Il est dominant dans la situation. Donc, il va vous obliger à rentrer dans sa zone qui est de sa zone de confort. Mais comme il est à l'aise avec ça, il ne bougera pas. Vous allez voir que votre bras va s'allonger plus que le sien. Deuxièmement, la main. L'orientation de la main, ce qu'on appelle la main en supination, comme ceci, ou en pronation, comme cela. En supination, vous êtes dominé. En pronation, vous êtes dominant. Le croisement des bras ne signifie pas que nous sommes fermés à la communication. Cela indique un retour sur soi, pour être beaucoup plus attentif. Par contre, si je croise les bras, que je me retire de la relation, donc je bascule en arrière sur ma chaise, là j'indique que je suis fermé à la communication. Un exemple, si je croise les bras et que je ferme les poings, deuxième indication qui fait que je suis fermé à la communication. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter le site internet formexformation.com, la synergologie niveau 1. Suivre une formation va vous aider à décrypter le langage corporel de votre interlocuteur pour améliorer votre relation.